Bienvenue sur Jamais comme prévu. Ouais, je me suis peut-être coupé les cheveux, ouais, effectivement. Alors, sujet de la vidéo, aujourd'hui, on va déposer le cache-cul buteur, changer le joint parce que ça pisse dans tous les sens. Donc je l'ai acheté chez Mercedes, le joint, j'ai écouté les commentaires que vous m'avez laissés, merci beaucoup. J'en ai pas eu pour bien cher, 19 euros chez Mercedes, du coup, c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion. Donc on va le démonter, on va changer ce joint, et au passage, je vais démonter complètement donc, tout ce qui est petite visserie et tout sur le cache-cul buteur, je vais le décaper. Avec visseuse, grosse brosse métallique et tout ça, et je vais le repeindre avec de la peinture de chez Action. Allez, pour une fois qu'on rentre dans le couscous, comme on dit directement, hop. Bon, ça. Oh putain, quel connard! Qui a serré ça? Ah non! J'étais en train de serrer! Ça a déjà été vu dans une vidéo, hein, on va pas s'attarder dessus. Satisfait parce que mis à part le fait que qu'il est sale, je sais pas si on va voir, ça fait quand même un beau rendu. Ensuite, wow, c'est dans un état. Le peu que je me suis servi, il a eu le temps de chauffer. Hein. Incroyable. Ok, donc ça doit être du, je sais pas, du 13 j'aurais dit. C'est ça? Oh, je suis un monstre. Je suis un monstre. Oula, d'accord, c'était pas beaucoup serré. Je me souviens, il y avait un goujon qui m'était resté dans les mains. Parce que j'avais sûrement mal démonté, je sais pas. Ok, donc ouais, il y a des rondelles, faut pas que je les perde et pas que je les oublie. Ah voilà, celui-là. Il m'est resté dans les mains. Putain. Je sais jamais comment les resserrer les goujons. C'est peut-être pour ça que ça fuit d'ailleurs, parce que ça fuit de ce côté. On tient peut-être quelque chose là. Ah non, ça va, putain. Ouh. Ah, c'est un collecteur chaud. Je mets ça qu'il soit perdu à tout jamais, hein, j'ai envie de te dire. Putain, mais où il est chaud. Putain, c'est gras. Oh, comme c'est gras. Comme c'est gras, chef. Ah putain. J'ai remis un viselant là-bas. Une passe coupante, mais ça marche mieux qu'une passe coupante. Tac. Peut-être pas mis le meilleur t-shirt pour l'occasion, moi. Hein. Est-ce que t'as envie de venir? Aïe. Là. Je sais pas si on va voir, mais. En fait, dedans, la peinture, elle s'écaille aussi. Je savais même pas que c'était possible. Regardez de ce côté-là. Je sais pas si on voit. Oh putain! Quel connard, je fais couler de l'huile sur ma caisse. Ok, on va le poser, hein. Le joint, en fait, il est pas l'air en si mauvais état, quoi. Oui, là-bas, ça s'écaille. Je sais même pas ce que c'est, en fait. Parce que normalement, il n'y a pas de peinture à l'intérieur. Bon, allez, je vais le foutre dehors. Ça va couler partout, ça va être dégueulasse. Ouais, vous voyez? Regardez ça. C'est ça, en fait, que je vous renferme. Regardez ça. À peine je frotte. Que ça se... Putain. Au grand mot. Les grands remèdes. Là. Tac. Ah ouais, putain, il est dans un étang, ouais. J'ai honte. C'est dans un état, mon chef. J'ai jamais vu ça de mes yeux. Est-ce que ça se dévisse? Ça a l'air. Je vais pas le casser celui-là, tiens. Et je pense que je l'ai cassé. Bah ouais, je l'ai cassé. Putain! Ça fallait s'en douter, hein. Parce que là, j'ai fixé comment? Allez, alors là, je vais me faire chier. Ok.
plus ça je l'enlève, mais je pense que je suis même pas obligé de l'enlever. Là. Ouais bon, vous l'avez compris, c'est sensiblement la même chose, on se retrouve dès que j'ai tout fini. Je vous ai pas filmé le plus gros du ponçage parce qu'en fait au final je me suis rendu compte que bah déjà ma visseuse elle arrêtait pas de chauffer. Et que ça allait être beaucoup plus la merde que prévu. J'ai fait ça en 2 heures. Donc on va dire il y a déjà toute la surface là, après ça fait plaisir de le voir propre. Toute la surface là qui est fait. Bon il manque encore un peu tout ce qui est coin et tout ça. Il restera tout ce côté là, tout ce côté là. Et tout ça. Là, à mon avis, je risque de me faire chier pour le faire proprement. Et comme j'ai dit, oula, faudra que je passe aussi un coup dedans. J'aimerais bien faire décaper un petit peu là. Et sur les côtés, là où ça s'écaille, en fait, pour éviter que ça aille dans le moteur. Donc voilà, je m'arrête pour aujourd'hui. Donc ce sera le jour 1 de tout ça. Dans la vidéo, ça suivra. Hein. Je vais pas faire plusieurs vidéos pour chaque soir que je fais ce cache-culbut. Donc vous aurez du coup le jour 2 à la suite. Juste derrière, voilà. Jour 2 de cette merde. Tout à l'heure, j'ai essayé d'enlever ça. De base, c'est ça, en fait, qui est pris dedans, donc comme là, ça c'était le premier, qui était pris comme ça. Et en fait, si vous voulez, ça a cassé à ce niveau-là. Et au début, je croyais que c'était juste collé, mais en fait, non, il y a bien un truc qui est vissé dedans. J'ai essayé de balancer un peu WD-40 tout à l'heure, pour essayer de l'avoir. Je l'ai pas eu. Du coup, je vais réessayer un coup un petit peu. Peut-être que je vais y arriver, mais sinon, je vais quand même continuer à décaper tout ça, parce qu'il y a encore du boulot. Là, j'ai réessayé, mais je galère vraiment énormément. J'ai oublié de le dire, mais la visseuse Lidl, elle a rendu l'âme, du coup, je prends un bon vieux truc acheté d'occasion à 10 balles, qui ne rend pas l'âme. Ah, putain, ça veut pas. Ça va qu'on va le refaire, hein. Putain. Je vais commencer à décaper, je verrai ça après. Le ponçage est fini, le jour est parti. Le cadrage est pas bon. Pourquoi le cadrage est pas bon? On voit pas ta grosse tête et... Du coup, le décapage est fini. Je me suis pas attardé sur tout ça parce que franchement, j'en ai plein le dos. Je me suis déjà bien cassé le cul. On n'a pas réussi à l'enlever, donc c'est pas grave, je vais peindre comme ça, je m'en fous. Passer un petit coup de dégraissage. Pour enlever toute la poussière. On va aller de l'autre côté. Putain, là par contre, il faut. Voilà. Je suis désolé, je sais pas si on verra bien avec la lumière, mais. Qui tombe très tôt en ces périodes d'hiver.
Là, je suis en train de faire ça comme un Pakistanais. Je n'ai rien contre les Pakistanais. Le carter sur le gravier. Ah bah ouais, mais moi je suis con, moi je le nettoie mais je le remets dans la terre. Le mec est complètement aveuglé par sa haine, quoi. Et je vais chercher un bout de carton, je sais pas si je vais filmer là ou dans le garage. Et on va mettre le premier coup d'après et après la peinture. C'est combien le temps de séchage? Ah attends, je vais peut-être la montrer. Pour ceux qui se disent. Le temps de séchage. Touch dry 10 minutes. T'as pas enlevé la sécurité. Oui bon bah. Hein, les dieux de la peinture, fuck. Non, mais attention, ça va pchiter. Ah, je l'avais dit. Le plus important surtout, c'est de s'équiper avec un max. Première couche finie. Couche de noir. Première couche. La sécurité est enlevée. Donc, toujours moi ce que je fais, petit voile et après deuxième couche, on charge un petit peu plus, comme ça au moins on est tranquille. Là je fais de la merde. Là ça part en pugilat là. Troisième et dernière couche. Troisième jour. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, je suis pas du tout satisfait du résultat. Donc en fait, le fait d'avoir trop décapé, vous voyez, c'est vraiment, vraiment pas beau, quoi. Bon, dans tous les cas, ce sera toujours mieux qu'avant, et il y a aussi ce truc, là, que j'ai pas réussi à enlever, du coup j'ai peint comme un sangouin, mais du coup la cloche de filtre à air elle sera tenue que de là et là-bas, en fait, si on voit le moteur. Je suis pas entièrement satisfait parce que pour moi ça ressemble pas à ça. Là pour le coup j'avais bien réussi, donc je vais monter le joint et puis je vais remonter tout ça. Étape 1. Allez. Oh. Et ben voilà. Bah ben d'accord. Ouais, c'est nul ce que j'ai fait, c'est nul. Bon, là dans l'autre, au moins, la prochaine fois, je me casserai pas le cul à décaper. Et je vais remettre ça. Hop. Ok, donc là... Là, c'est le moment délicat. Il y a rien d'exceptionnel non plus, mais il faut qu'on se mette un poil de travers. Ok.
Ok. Tac. Ouais, bon, on va dire que les plus gros défauts sont cachés, quoi. C'est pas exceptionnel, mais... En fait, je pense que pour faire de la peinture d'un point, on va dire, les bombes actions, elles vont très bien. Est-ce qu'il va arriver à se refermer, ce truc? Yes. En fait, là, normalement, il y a un espèce de chemin pour les câbles, des bobines, mais... Là, déjà, je trouve pas ça spécialement plus joli, et puis j'ai remarqué que ça arrêtait pas de sauter, que c'était de la merde. Donc, je ne les remets pas. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit, pas sur YouTube, hein, mais dans mes proches, on va dire, qui sont venus pendant que je faisais ça, de le faire poli. Moi, je pense que je vais le laisser noir mat. Enfin, noir, je voulais un noir vermiculé, mais bon. Donc, voilà l'aspect final. Donc on va dire c'est pas non plus très grave parce que le plus gros du défaut en fait c'était là-dessous et c'est caché par la cloche de filtre à air. Mais voilà ce que je vous disais en fait ça fait une espèce de goulotte pour les bobines et vous avez une base du coup qui vient se clipser sur le couvre culasse, enfin le joint cache-culbuteur pardon, enfin le cache-culbuteur putain je vais y arriver. Et en fait de cette en base on met les câbles et en fait on a un autre plastique qui vient clipser. Résultat n'est pas du tout à la hauteur de ce que j'espérais, mais ça reste relativement plus propre que ce que c'était. Donc c'est déjà un bon point. Ce que je ferai plus tard, parce que là honnêtement, j'ai pas du tout la foi de me rebalancer là-dedans, sachant que encore une fois c'est mon daily. Je travaille en fait, si vous voulez, la semaine, donc c'est vrai que je fais ça le soir et en termes de timing et tout ça, après avec la nuit qui tombe, ça devient hyper compliqué de faire des choses propres. Donc là c'est vrai que je l'ai fait un peu à l'arrache. Mais vu que je compte faire la réfection complète de l'injection KE, ce que je ferai, c'est qu'une fois que tout est déposé, je prendrai mon temps pour tout redécaper nickel, poncer, que ce soit impeccable, et remettre un vrai coup de peinture et pas aller chez Action. La peinture, elle m'a déçu là pour le coup. Autant sur la cloche de filtre à air, j'avais bien aimé le rendu, mais là. Là, j'ai fait un carnage. Pour le coup, on a un résultat et un démontage, un remontage. Donc, ça change un petit peu de ce que j'ai déjà pu faire. Parce que malgré que j'essaie de vous proposer du contenu énorme, à chaque fois, ça se passe jamais comme prévu. Du coup, la chaîne porte très bien son nom. Encore une fois, j'arrête pas de le dire à chaque vidéo, mais c'est vrai. Et là, je pensais pas que ça allait faire comme ça. Mais du coup, j'ai quand même pu remonter. Et au final, le fait qu'il manque la vis de là-bas, ça fait pas tant bouger la boîte à filtre à air. Donc, je pense que pour le moment, je vais laisser comme ça. C'est pas très grave. De toute façon, j'ai tout recommandé déjà. J'ai recommandé le je sais pas comment ça s'appelle, l'espèce de truc qui se visse, là, le cylindre bloc qui était cassé là-bas. J'en ai recommandé deux pour changer les deux. Et je ferai pareil, en fait. Je ferai le même rendu sur le carter d'huile dessous. Mais là, du coup, j'attends que tout soit démonté, qu'elle soit à l'arrêt. Après, c'est trop le speed et je galère beaucoup trop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vois plus en plus de vues et d'engouement sur les vidéos, ça me fait plaisir, moi ça me motive, honnêtement, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot pour moi, en termes de temps, en termes de travail aussi, de montage, tournage, etc. Donc je vous remercie énormément pour toute la force que vous me donnez. On se retrouve mercredi prochain. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt.